Nous avons commencé dans notre garage, mais au cours des 8 années passées, petit à petit, nous avons réalisé un studio et progressé ainsi. Cela nous sert bien en ce moment. Kimberly et Robert ont été appelés par Dieu à créer un ministère en faveur des enfants en Australie. En ce temps-là, Kimberly avait commencé à écrire des chants et Robert travaillait pour la société productrice d'aliments sains. Un jour, alors qu'il travaillait, Robert a reçu une révélation de la part de Dieu. Alors que j'étais devant le four, Dieu m'a parlé et m'a dit « J'ai un ministère pour toi. Je désire que tu ne fasses pas que des chants, mais que tu te lances dans les médias. » Il m'a aussi dit que cette maison, dans laquelle nous sommes actuellement, mais qu'à ce moment-là nous n'habitions pas, deviendrait notre quartier général dans le futur. Je suis revenu à la maison et ai tout raconté à Kimberly. Elle m'a répondu « Je ne vis pas dans cette maison-là. » Mais ils se sont sentis poussés à faire la volonté de Dieu. Ils s'y sont installés, ont créé un studio et à présent, après bien des difficultés, dirigent un ministère opérationnel, un média en faveur des enfants. Le programme nommé « Les enfants du roi » a commencé au début de la pandémie. Alors que les églises devaient fermer leurs portes, le besoin de plus de programmes pour les enfants se faisait sentir. Dans la semaine de leur première mise en train, une petite équipe enregistrait le premier épisode de l'émission « Les enfants du roi ». Ils ont continué à produire un épisode chaque semaine basé sur les leçons de l'école du sabbat et ayant pour but de faire des disciples. Ils ont produit plus de 100 épisodes. Si vous étiez venu chez nous, vous auriez vu que notre maison était convertie en studio. Nous avons un studio de montage, là où nous sommes en ce moment. Nous avons des centaines de marionnettes avec des visages différents, des quantités d'enfants et beaucoup de gens qui nous soutiennent et font partie de ce projet. Aller droit au cœur des familles, entrer en contact avec elles et développer leur relation avec le Christ, voilà ce que font en toute chose Kimberly et Rob. Dans la manière dont ils nous traitent en tant qu'équipiers, dans leur façon de nous soutenir et quand nous nous stimulons les uns les autres pour aller de l'avant dans les projets sur lesquels nous travaillons. Les retours ont été positifs, de manière enthousiaste. Et maintenant, Dieu a mis un nouveau projet dans leur cœur. Le programme actuel, Les Enfants du Roi, est fait pour faire une différence dans la vie des enfants qui connaissent déjà Dieu. Mais il y a un autre projet sur lequel nous travaillons en ce moment, qui se développe, et que nous appelons le Secours, qui est destiné à être un projet d'évangélisation pour les enfants qui ne connaissent rien de Dieu, qui n'ont jamais été amenés à l'église, qui ne connaissent pas Jésus, et qui, s'ils ont entendu le nom de Dieu, c'est en argot. Ce sont ceux avec lesquels nous désirons vraiment entrer en contact. Ce que nous voulons faire, c'est nous emparer de l'histoire du salut et montrer Dieu en tant que sauveur. Il est celui qui nous voit, qui nous aime, qui avait un plan pour nous et qui, à un moment donné, a réalisé ce plan en venant sauver son peuple. Ce projet sera disponible gratuitement sur une multitude de plateformes. Nous espérons vraiment atteindre et entrer en contact avec des familles partout dans le monde. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat soutiendra la création de Le Secours, une série courant sur 3 saisons, focalisée sur différents aspects de la tragédie des siècles, le grand espoir, et dévoilant comment Dieu est intervenu pour sauver son peuple. Il y a tant à faire dans les coulisses d'un tel projet. Cela a tout le temps été un énorme pas dans la foi. Tantôt nous n'étions pas sûrs d'où viendrait le prochain financement, ni l'équipement tant attendu. Les super marionnettes, les décors, les croquis, les caméras, les projecteurs, il y a tant de choses nécessaires. C'est pour tout cela que nous avons besoin de continuer la série pour enfants produite en haute qualité. Sans l'aide des gens comme vous, cela ne pourrait pas se passer comme cela devrait. Nous avons besoin que vous nous emboîtiez le pas et que vous nous souteniez par vos capitaux et par vos offrandes. Merci de planifier une offrande du 13e sabbat généreuse. Cela servira au partage de l'amour de Jésus avec les enfants du Pacifique Sud et du monde entier.